terrasse de leur maison. Palestine ! La tristesse des compteurs à la raison. Je ne peux rien si la vérité vous effraie. Je finis aveugle et sourd et muet. Se taire, c'est parfois consumé. La violence, c'est le même endroit. Je ne serai pas complice du silence. Je ne serai pas complice du silence. Je ne suis qu'un homme avec le sens de la justice. Je n'ai que la parole pour trier, pour ceux qu'on traite en étranger dans leur propre pays, pour ceux qui ont été spoliés, volés, qui ont vu leur droit de tout faire d'un autre. L'héritage tragique, la décision injuste, prise sous mandat britannique, et puis la déclaration Balfour, on s'enfonce pour comprendre le présent, comprendre où l'histoire commence. Un peuple de l'autodétermination, partager ses terres sans aucune consultation. Observe le drame de la colonisation. Deux options, la lutte ou la résignation. La Palestine n'était pas une terre sans peuple, destinée à accueillir un peuple sans terre. Il y a bien un occupant et un occupé. Il y a bien un oppresseur et un opprimé. Le renier s'est tenté d'effacer l'histoire et effacer. C'est refuser qu'on la répare. Il y a bien un agresseur, une victime, un colonisateur et un résistant palestinien. Les questions de faits établis par le point de vue, la raison peut s'y tenir, même si mon cœur est ému. Il ne s'agit pas de deux forces égales qui s'affrontent. Les médias parlent de guerre, quelle honte. La troisième puissance armée face à une nation sans état. De 2010 à la dernière intifada. C'est ça, la guerre. Malgré tout ce qu'ils subissent, les Palestiniens résistent, les Palestiniens existent. J'ai rarement vu un peuple si courageux, sa fierté brille comme le soleil, même partout orageux. Je peux pas me désolidariser, juste en tant qu'être humain, je suis obligé de me positionner. C'est un appel à partager leur peine, quand les ignorants diront, c'est un appel à la haine, on ne nourrit pas l'injustice. En la dénonçant, en la taisant, quoi qu'ils disent, j'écris avec le cœur et la raison. Si le cœur a la raison, il n'y aura jamais de paix à nos raisons. Parlons de fait, pas de vision, la paix sans justice ne sera jamais qu'une illusion. Si le cœur a la raison, il n'y aura jamais de paix à nos raisons. Parlons de fait, pas de vision. Sans justice ne sera jamais qu'une illusion. Dès qu'il tue ton occupation, au quotidien, l'occupation, c'est l'humiliation. L'humiliation est violente, constante, aux frontières des checkpoints, la liberté est agonisante. Je décris la détresse d'une nation qui, sur ses propres terres, n'a plus la libre circulation. Sous couvert de sécurité, la partelle se maquille. Le mur sépare des familles. Les colonies se multiplient sous l'œil actif des complices des États-Unis. Négociations sans fin pour la création d'un État palestinien. Quand viendra l'heure, qu'est-ce qu'il en restera? Quelques bouts de terre éparpillés. J'avais écrit cet exprès, les trois quarts ont été payés. Près d'un million d'êtres humains ont été poussés à l'exil. Pourquoi quitter leur terre si leur vie n'était pas en péril? Leurs biens sont devenus les leurs. Les espoirs de retour sont devenus des morts. As-tu entendu parler de la dite loi des absents? Les biens des réfugiés reviennent à l'occupation. Qui peut prétendre trouver ça normal? Qui peut prétendre que je devrais rester impartial? Pour rester impartial, quand l'injustice est flagrante, il faut être sourd avec une morale non-voyante. L'histoire témoignera que je me suis levé comme j'ai pu, pendant que les grandes puissances les regardent crever. Tous parlent de droits de l'homme, mais n'empêchent pas le massacre. Les sanctions de l'ONU ne sont applicables qu'à l'Irak. On compte plus les orphelins, les balles qui se sont perdues dans les poitrines de gamins. Combien de nourrissons sous les décombres, des familles entières décimées par des bombes, assassinées, disciplées, foudroyant les civils d'emprisonnement arbitraire. Dites-moi, pensez-vous que je devrais me taire?
démocratie. Pourtant j'ai peur quand je relis ce que j'écris. Tout est basé sur des faits, mais je crains quand même un orage. J'écris avec le cœur, la raison et le courage. Est-ce que mes bons lézards sont là ce soir?